Bonjour tout le monde, aujourd'hui on fait la fit recette de décembre Shop Santé. Pour ceux qui ont la dent sucrée, cette recette du temps des fêtes là est parfaite pour vous. Suivez-moi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, mais surtout j'espère que vous avez faim. Ici le Fit Cook pour la fit recette de décembre. On se fait un gâteau Red Velvet protéiné. Je vais intégrer de la betterave là-dedans et la protéine Shop Santé. On part. On commence par le crémage. Dans un bol, je mélange du fromage à la crème léger, du yogourt grec et la protéine en poudre Shop Santé à saveur de gâteau de fête. Ça va nous amener un petit goût sucré et en même temps, évidemment, de la protéine. Je fouette tous les ingrédients ensemble et quand j'obtiens une préparation homogène, j'envoie au frigo une petite demi-heure. Pour les ingrédients humides, je me casse pas la tête, je fais tout au robot mélangeur. J'ajoute mes cubes de betterave rôti, mon huile de coco fondue, mes œufs et de la vanille liquide. Et inquiétez-vous pas, les betteraves vont amener un goût rôti sucré dans le gâteau, c'est super subtil, vous vous en rendrez même pas compte. Une fois que mes ingrédients sont bien mélangés et que j'obtiens une purée lisse, je mets tout dans un bol et je m'attaque aux ingrédients secs. Je mélange tous mes ingrédients secs dans un bol. Je m'ajoute ma farine, moi j'ai choisi la farine de blé entier, mais tu peux prendre la farine d'avoine, la farine d'amande ou même la farine conventionnelle. Je m'ajoute ensuite un scoop de protéines en poudre saveur gâteau de fête, de la poudre de cacao et une pincée de poudre à pâte. Donc finalement, j'intègre mes ingrédients secs à mes ingrédients humides en plusieurs temps et je mélange délicatement. Notre gâteau va moins lever qu'une recette de gâteau conventionnelle parce que c'est santé. On n'a pas mis de beurre, on n'a pas mis de sucre, donc j'en ai profité pour le faire avec une mince épaisseur sur une plaque à pâtisserie. La cuisson va être rapide et facile à contrôler, puis ensuite on va pouvoir couper des morceaux pour se faire un étagé. Donc j'envoie au four pendant environ 10 minutes à 350. Ensuite, je le coupe en 4 morceaux, j'étends mon crémage santé, je garnis de noix et je superpose les couches de gâteau. Ça, c'est le genre de repas que je veux manger en revenant du gym ou en revenant de faire un sport, un gâteau protéiné. Donc voici une belle recette de gâteau santé mettant de l'avant un produit que j'adore cuisiner avec, la protéine de Shop Santé. Shop Santé, c'est pas juste des suppléments. Moi, je m'en vais là puis je m'achète des aliments pour cuisiner avec. Donc pour ceux qui ont la dent sucrée mais qui veulent quand même manger santé, cette recette des fêtes-là est l'idéal pour vous. Shop Santé, soyez futé, shoppez santé.